Bien, moi ça va nickel, surtout pour la suite de la série sur le mode pro team du jeu Tour de France 2021. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, notification, liker, partager, commenter. Venez me rejoindre sur Insta, c'est Cyclisme 3D. Et sur TikTok également, c'est Cyclisme 3D. On est très très mal placé, il y a eu quelques bordures, voilà, mais c'est revenu en ordre. Hein, seulement 5 coureurs qui ont été distancés. On est dans la côte de Neufel le Château. Par contre, on est tellement mal placé. Dire que notre placement laisse à désirer, surtout qu'on a quasiment plus de barres et de timers libres. On a pris quelques points pour le sprint intermédiaire, même pas je crois une dizaine à peu près, hein, de points. On va essayer de remonter avec Tim Merlier. Et alors ça se passe moins bien qu'avec Darren Impey, mais les bordures, on a dû dépenser tellement d'énergie là dedans pour essayer de rester bien placé. Bon, même si les bordures dans le jeu elles servent à rien, Geraint Thomas a l'air d'être très bien. Tout le monde sauf Valgren et Pitcock. Vous allez devoir rouler à 100% les amis. Et sans Valgren également. Attendez, on va le dire, bref. Plutôt à Geraint Thomas et compagnie, Paris Pain, Champoussin et même B20 de rouler à 100%. Par contre avec Kimberly, on va pas du tout arriver là. Il reste 4,8 km, mais on ne va pas voir l'arrivée. Avec les meilleurs, je pense. Hein. Au sommet de la côte de Neufel le Château, personne n'a réussi à s'extirper. C'est très compliqué avec Tim Merlier pour passer, mais cette étape déjà avec Darren Impey, on a vu du mal. Et pourtant, Darren Impey, c'est l'un des sprinteurs qui passe le mieux les boss. Alors, on n'a pas Colbrelli, on a Colbrelli, mais pas avec son maillot de champion d'Europe, effectivement. Là, c'est assez compliqué. Hein. On n'aura même pas de barre pour faire le sprint en entier. Et en plus, sur cette étape, il n'y a pas de flamme rouge parce que. La ligne d'arrivée, elle est sur la ligne de départ. Je sais pas si j'étais très cohérent dans ce que j'ai dit. Pitcock a été distancé. Alors, on sait pas qui a été distancé, Thomas Pitcock. Geraint Thomas, on va lui dire d'attaquer. Ouais, prendre son gel rouge. Et limite, il a une meilleure barre que nous, mais tout va bien. Voudra apprendre ligne droite. On arrive à plaisir. On a domicile. Ah, Geraint Thomas, ça c'est bien parti là pour Geraint. C'est très très bien parti pour Geraint Thomas. C'est quoi? Ouais, par contre là la flamme rouge elle est là. On va devoir lancer notre sprint nous. Et Geraint Thomas qui s'est relevé. Allez avec Tim Merlier. On n'aura pas assez de barres pour tenir. On est en 5ème position là, 6ème. Et on est revenu en 10ème place. Même pas, on finit 12, super. Quand je vous dis que j'y arrive pas pour les sprints dans ce jeu, pourtant je l'ai lancé au bon moment. C'était soit ça, soit je finis et c'est... 58ème au sprint. On prend des points par contre. Bon, nous deux, déjà, ça fait bizarre de voir ce maillot de la Coupe BK parce qu'ils ont changé. On va le prendre au moins le maillot à poids. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. On doit également sûrement avoir la combativité aussi avec Michael Valgren. Qui seront nos objectifs, honnêtement. Et je pense du coup, avec Paris Peinte à l'avenir, jouer le maillot à poids. Surtout maillot vert, on est 13 avec 16 points. Et par contre Valgren c'est vrai que 35 points c'est assez intéressant honnêtement. Après il faut pas évidemment l'échapper toujours parce que sinon il n'en pourra plus. Mais bon voilà. On comprend même des jeux au classement par équipe, on est 13. Ok, classement de la combativité, on est premier avec Valgren. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Alors est-ce qu'il y a eu des coureurs? Ah voilà, voilà. Déjà est-ce qu'on a eu des coureurs? Vincenzo Nibali qui finit déjà dernier du groupe. Ouais. Alors on a quoi? On a Valverde notre. Oh mais punaise là. Bon, on a Valverde déjà avec Moric. Bon, il met Degen, Nasson, Pratnik, Stibar, Steven et Peters. Ouais, mais surtout Valverde qui perd du temps. Kwiatkowski aussi, Jungels dans le jeu de la 80 montagne. Moi, s'il perd déjà 43 secondes sur nous. GVA, bon. Ouais, Charman et Evenepoel aussi, très important. Evenepoel, j'ai vu Wokung, Wotuns. Mais surtout Guita, Landa, Izaguirre, Chikone, Mas, Conrad. Martin qui a dit qu'il allait arrêter sa carrière, Cornelsen, Benoît, ouais, Bilbao, Soler, pourquoi pas, hein. Hirschi aussi qui perd du temps, c'est vrai. Qui est cheat dans le jeu, bon, Ghana, ouais, pour le chrono, Pozzo, Pitcock pour notre équipe, le champion olympique de VTT, Kreuzweig qui perd du temps, plus de temps même. Milton Gaviria qui n'aura pas de points pour le maillot vert, mais bon, Gaviria dans le jeu, il est pas où. Il est pas son meilleur niveau, on a qui d'autre bah pas grand monde, c'est vrai là, ouais. On a eu quelques coureurs qui ont perdu du temps, comme Landa notamment.
Tu vois là, bon, on est toujours meilleure équipe. Hein. Face à 76 PP, c'est quand même de l'Israel Startup Nation. Bon, la Kubeka, ils reviennent avec 43 points, mais bon, on a 99 points d'avance sur eux. On a 142 points, voilà. On va pouvoir passer. Et ce début de Paris-Nice a été à domicile, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on se retrouve pour la suite. Enfin, on se retrouve en tout cas dans le final de la prochaine étape. Viti, malheureusement, j'étais à l'avant avec Valgren, alors il a fait des kilomètres à combativité, mais il me semble que c'est Van Gestel qui a pris tous les points. J'en ai dû en prendre que deux sur toute l'étape avec Valgren, ce qui m'a quand même beaucoup étonné, mais bon. Et bon, honnêtement, peut-être que j'ai mal lancé tout. Honnêtement, pour le moment, bah il reste 6 bornes, pas devant. Je suis quand même déçu parce que cette étape, généralement, ça part dans tous les sens, mais bon. Honnêtement, nous là, on prend le GL bleu. On a pris des points en sprint intermédiaire avec Merlier. Alors, on n'est pas non plus si bien placé que ça dans ce classement. Il faut toujours continuer à prendre des points. Surtout qu'on est avec 16 points, égalité avec Colbrelli notamment, Van Aert. Et que déjà, en prenant ne serait-ce que 3 points aujourd'hui, on passait devant Christophe. Il me semble qu'on est passé également devant Yale Wallace. Et peut-être même devant VDP, quoique non, VDP, on ne pouvait pas le passer. Encore 5 km. Les équipes de sprinteurs sont en train d'emmener le peloton à très vive allure. Allez, maintenant le gel rouge pour tous nos coéquipiers. La descente dans la chapelle de Charlotte sur Loin. On peut même déjà commencer dès maintenant pour prendre le gel rouge. Non. Parce qu'il y a généralement le bug du virage. On est devant la mairie de la ville. On est à domicile hein, pour ces deux premières étapes. La Seine-et-Marne, nous sommes dans Charlotte sur Loin. Bon, ça doit être la Seine-et-Marne. Allez. Il y a 50 points à l'arrivée, mais généralement là, il y a le bug avec le virage. Tout va se jouer au sprint. On va essayer d'accélérer, oui, parce que l'IA prend très mal le virage. Et nous, on va lancer, j'allais dire, un sprint, mais de très très loin. Allez, 7 secondes d'avance. Il faut au moins 20, plus de 20 secondes d'avance. Hein, parce que généralement, dans le jeu, l'IA reprend 20 secondes par sprint. Allez, 4 secondes. Mais avec notre point de vitesse, je sais pas si ça peut tenir. Allez, ouais, ils sont en train de revenir. Le train d'Alpecin Phoenix pour Mathieu Van Der Poel avec Philippe Sen. Là, il se barre également pour VDP. Là, dégaine comme qui est très bien passé. On va lancer notre sprint, nous, sous la flamme rouge. Là, on s'est déjà fait assez enfermé là dès le début. Allez, 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 essayez de remonter. Ah, va jamais faire mieux que 13ème. J'ai l'impression dans ce sprint, on a fait 12ème, on a fait 13ème. Et Kimpe, on finissait 6ème ou 8ème à chaque fois. Et là, bah, c'est pas dingue ce qu'on a fait dans tout vraiment honnêtement pas dingue ce qu'on a fait sur nos sprints depuis le début de saison avec Merlier, peut-être même jouer le maillot à vert alors pour la suite avec notre ami Van Gren qui sera souvent échappé peut-être, c'est... Je sais pas, en plus Merlier. Ah, victoire de Neymar par contre. Ça fait plaisir. Et qui prend du coup le vert, Van Gestel, ouais, le maillot rouge à poids dégage. Et le maillot blanc en ce qui concerne Egan Bernal. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On perd le maillot à. Ouais, une journée oubliée, mais bon, déjà au classement général, on est 12ème encore une fois. Michel qui a paru devant nous. Du coup, ouais, il a gagné tous les trucs. Mais Van Gestel. On est à 3 points, on est à 4 points également de Van Aert qui a pas l'air de bien jouer. 46 points pour Valgren, déjà démarre à 100 points, mais démarre, il y a pas mal d'étapes où il ne prendra pas de points. Vraiment être intéressant, on verra honnêtement ce que ça dira pour la suite. Et puis on peut prendre des échappées aussi. Van Gestel, parce que Valgren n'en pouvait plus, il a dû en prendre 5, 6 aujourd'hui. J'irai Van Gestel, bon, c'est compliqué honnêtement, notre étape vraiment. Avec Geraint Thomas, les autres sont sûrement plus forts que nous. Déjà, Nizzolo a réussi à passer, déjà, ça c'est incroyable. Voilà, alors, pour ceux qui savent pas, je pense que... Déjà, je suis très proche de ma télé. Mais Nizzolo Prime, pour moi, c'est celui qui a fait le doublé l'an dernier championnat d'Italie, championnat d'Europe. Hein. On va prendre la route, vous savez quoi? On va aller prendre, vous savez quoi? Hop là. Allez, on va prendre la route de Romino. On va attendre, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de regroupements. Champoussin qui est là, au Paris Peintre, faut directement lui prendre, lui donner son gel. Paris Peintre, il a pas pris son gel, il va être meilleur que nous, vous allez voir. Enfin, il aura pris son gel, il y aura une meilleure barre que nous. Et en plus, on est en même forme, alors honnêtement, au niveau Axel ou Sprint. Déjà, Geraint Thomas et Paris Peintre sont dans le même temps. Déjà, ça c'est cool. Geraint Thomas c'est 69 Axel, 67 Sprint. Il me semble que Paris Peintre c'est plus 70 Axel et Sprint. Même meilleur en vallon que Thomas, alors ça bon.
On est quand même encore 100, alors à 5 bandes de l'arrivée. Dimar qui ne perdra pas son maillot aujourd'hui. Et Vlasov qui est parti avec Rominou et Godu. Ouais, c'est ça. Et on est revenu avec Guérin Thomas là. Ouh, ça a été dur, mais on est revenu. Pareil peinte, ouais. Alors, c'est qui a la meilleure bande entre nous et Pareil peinte? C'est Pareil peinte, honnêtement. Bien placé Aurélien. Non, il est pas si bien placé Aurélien. Il reste 5 bandes, mais je pense qu'on tiendra pas avec avec Guérin Thomas. Ouais, le peloton, il y a du regroupement. Hein. De partout, généralement, là. Ça se regroupe. Allez, Guigui qui y va. Ouais, mais nous, on peut pas y aller là. On peut pas y aller. Ça qui est terrible, c'est que là on n'a pas les jambes pour. Bah, attendez, il y a Merli qui a réussi à passer, non? Ouais, non, Merli, il en peut plus, hein, il en peut plus, team. Le problème, c'est que là, peu importe notre coureur, ils ont quasiment plus de barre bleue et même quasiment plus de barre rouge. Hein. Guérin Thomas, ça en peut plus, Guérin, le pauvre. Bon, par contre, faut quand même lui dire de. Rester dans les roues à Guérent, parce que là ça va être compliqué. Il reste 3 bornes. Là c'est un peu la partie descendante. Team Merlin malheureusement n'a pas réussi à passer. Sinon, bon, ça aurait été déjà, ça aurait été incroyable que Team réussisse à passer. Ouais, il va finir un peu près. Non, il est là, Team Merlin. Oui, il est là. Ah non, il est derrière. Ekchan Poupou. Allez. Ouais, mais là on n'aura pas de barre. Enfin, la meilleure barre, ça reste ça, hein, mais bon, chute. Du coup, déjà, on peut dire qu'on ne fera pas de résultat aujourd'hui. Ce sera assez une vidéo assez vide, hein, quand même. Sur ce début de Paris-Nice. Pourtant, avec l'équipe qu'on a, c'est assez compliqué. On est obligé. On est obligé d'abandonner. On est obligé de faire stop. Alors, on perdra pas tant, mais on finira 44e. C'était compliqué. Honnêtement, c'était compliqué. Je vous l'avais dit, ce Paris-Nice compliqué au tout début. On a des points en maillot vert. Après la course, on l'a rendu difficile pour que Paris Pointe joue les points de la montagne. Mais bon, ça restait compliqué, honnêtement. Et c'est triste, franchement, début de Paris-Nice a oublié, honnêtement, pour l'équipe. Et c'est vrai qu'on a eu une très belle campagne sur les 3 jours de la Provence. Mais sinon, c'est vide assez pour le moment. Et que qu'on a, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Des marques à jaune et le vert, le maillot pour Pareil Peinte. Et oui, monsieur, le maillot blanc pour Pogacar qui le prend déjà. Et je pense qu'on doit se rapprocher au fur et à mesure. Pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Prends le maillot à poids. C'est la bonne nouvelle de la journée. Heureusement, parce que mes coureurs, ils finissent dans les dernières positions de. Ah, on perd 19 secondes déjà. Terrifiant ça. Au classement général, Guérin Thomas se retrouve à 29 secondes, mais bon, c'est deux démarres. Pareil peintre aussi. Bon, maillot à poids, je pense que Pareil peintre va très clairement le jouer. 10 points. Voilà, maillot vert. Alors, maillot vert, Merlier, 54 points. Il a 2 points de Van Aert notamment. Christophe qui revient à 6 points de nous. Puis Valgren à 63 points. Valgren, la combativité, je pense qu'on va le jouer. À la limite 80 points de retard sur Démar, même si c'est déjà beaucoup, c'est le seul qui pourra limiter la casse. Sachant qu'il reste une étape de plaine encore et après c'est le triptyque difficile. Le maillot à poids, ben, on a Pareil Peinte et puis Champoussin qui a une 42 et puis classement par équipe 16e. Terrifiant ça aussi. Et classement de la combativité, c'est toujours Valgren avec 324 km, 306 pour Van Gestel. 270 pour Vliegen, 155 pour Tannik et 126 pour Goujard. On est toujours en tête, hein, 146 points devant la groupe AMF DG 100, 92 pour Israël Sarbonne Nation, 66 pour Ineos, 54 pour Borandro. C'est un début de saison, moyen. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, une notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta, c'est Cyclisme 3D, sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Moi, je vous dis à très bientôt, Bouscavida.